La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, deux voies s'ouvraient. L'une était celle de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise, mes compagnons et moi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre